investis depuis 2017. Ça, c'est ma quatrième année de travail en tant que coordinateur régional pour l'Afrique. Nous avons lancé un programme de 3 ans pour le réseau des Grands Lacs. Et ce programme couvre 3 pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Dans le diocèse de Bujumbura au Burundi, dans le diocèse de Butare au Rwanda, le diocèse de Uvira, le diocèse de Bukavu, le diocèse de Goma, le diocèse de Kananga, le diocèse de Kisangani et l'archidiocèse de Kinshasa en RDC. Ces pays qui ont été le théâtre des guerres et des conflits, les populations ont besoin vraiment de la paix. Et le programme consiste à la formation des jeunes. Le projet sur la non-violence active a un autre volet qui concerne particulièrement les jeunes qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté, et ils sont manipulés et recrutés pour commettre des actes de violence. Nous avons annexé à ce projet l'entrepreneuriat des jeunes. Pour le moment, nous avons autour de 400 jeunes de groupe qui ont déjà démarré leur business. Par exemple, il y a des jeunes qui s'occupent des taxis moto dans des villes, qui font l'élevage des porcs. Il y a des jeunes qui ont des boutiques, des jeunes qui vendent du charbon, il y a des jeunes même qui font la cordonnerie et il y a des jeunes qui ont des boutiques dans les quartiers. La difficulté que nous rencontrons, c'est vraiment l'esprit du mal qui anime certaines personnes, qui continuent à semer des troubles, qui continuent à favoriser les conflits et à faire souffrir les populations. La deuxième difficulté, c'est la rareté des ressources, le manque de subventions pour continuer ce projet. Mais avec les moyens limités que nous recevons, nous continuons ce travail. Il y a beaucoup de satisfaction dans ce travail. La première que je peux citer concerne les dernières élections présidentielles en RDC. Tout le monde s'attendait à des émeutes, tout le monde s'attendait à des troubles. Mais pendant les élections, vraiment, les jeunes qui ont été formés à la non-violence active ont contribué beaucoup et le calme a régné et les élections se sont bien déroulées. Ça, c'est la première satisfaction. Pax Christi International a contribué dans cette région. La deuxième satisfaction, ce sont les groupes de jeunes qui étaient sans espoir, qui étaient désœuvrés, manipulés, et maintenant qui sont debout, qui sont stables et qui peuvent gagner régulièrement quelque chose. On le voit dans leur visage, on voit que ces jeunes ont retrouvé la confiance en soi et ça, ça fait aussi partie de la satisfaction. Ma motivation profonde est le souci d'aider des personnes qui sont dans la nécessité et qui manquent même au minimum des besoins primaires. Mon souci est de voir une personne de se mettre debout, d'être en équilibre et qu'il peut avoir de la confiance en soi et se développer. Grâce à la formation à la non-violence active, on aboutit à la cohabitation, pacifique des communautés. On sait que sans la paix, il n'y a pas de développement. Thank you.